Dijon, c'était une très très grosse performance pour notre équipe. On a différents joueurs qui jouaient très bien. Et aussi le match avant à Asvel, c'était très, très bien aussi. Donc on est en la bonne direction maintenant. Et je crois que c'est le travail pendant la semaine qu'on fait ensemble avec les joueurs qu'il y a. Et j'espère bientôt que Caleb et Marco reviennent bientôt. C'est énorme pour nous pour avoir quelqu'un comme Brandon dans l'intérieur qui peut mettre la force et mettre les points et rebonds comme ça. Sans lui, on ne peut pas gagner à Dijon. Donc, c'est le même ce week-end contre Chalon. On doit lui et les autres, enfin, tout le monde en fait, qui monte le niveau plus parce que Chalon est une très bonne équipe et ça va être dur, mais on peut gagner si on joue le même le même sens. Il est un bon joueur. C'est vrai que c'est dur à le début quand tu as un nouvel joueur parce qu'il doit faire l'intégration, il trouve ce jeu et avec l'équipe c'est différent aussi. Donc j'espère que ça arrive vite. Mais on doit jouer le même sens et il peut bien entre nous comme enfin, Mixon. Mais il est un bon joueur, on est content qu'il est ici pour aider. C'est sûr, on garde la même ambition et ça c'est le playoff. C'est vrai que c'est plus dur sans l'équipe qu'on a avant. Mais on peut faire le playoff, c'est sûr. Mais maintenant, ça veut dire chaque match à Lyon, c'est très très important. Et l'extérieur aussi maintenant. Donc chaque match, on doit beaucoup beaucoup concentration et focus et jouer pour le maximum parce que c'est très chaud à la fin pour le playoff, je crois. Moi j'aime bien, c'est une bonne ambiance, c'est drôle pour jouer là, c'est différent, ça change et j'espère qu'on peut jouer comme les matchs avant. Je crois qu'on a peut-être perdu contre Serbie, mais les autres on a gagné, donc on doit gagner ce week-end aussi.